troquer mes clics et mes claques entre des cloques et des flaques. Un sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, plus que la haine. Je m'en vais de Vianney, c'est un morceau qui est super simple, il est composé simplement de trois accords. Pour le jouer, on va mettre le capot en trois. Trois accords donc, premier accord mi mineur, suivi de do majeur, ré majeur ensuite, et on va devoir ensuite retourner sur mi mineur. On va diviser le morceau en deux parties. La première partie du morceau, elle est assez douce, et on va simplement jouer les accords une fois, et on va compter deux temps entre chacun des accords. Rapidement, ça va nous donner ça. 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et... Et ensuite, on reprend avec mi mineur. Et ça, on va devoir le jouer 4 fois d'affilée pour commencer le premier couplet. Ça nous donnerait ça rapidement. J'ai troqué mes clics et mes claques entre des cloques et des flaques. Un sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. En ma route, en ma plaine. Et là, en fait, quand on arrive à la quatrième fois, on va rester sur le ré majeur 4 temps. Et à la suite de ça, on va faire do majeur. Et lui, on va devoir le jouer en rythme. Pour ça, on va devoir faire ce rythme-là. Ba, ba, o, o, ba, 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 o. Et on va devoir le faire 2 fois sur le do majeur, ce qui va nous donner lentement. Ba, ba, o, o, ba, 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 o, ba, ba, o, o, ba, 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 o. Et à la suite de ça, on va reprendre exactement ce qu'on a fait, sauf qu'on va pas jouer le do majeur à la fin. Donc le deuxième couplet, ça va nous donner ça. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Et pour le dernier ré majeur, donc au bout de la quatrième fois, on va devoir le jouer encore une fois 4 temps. Après ça vient donc la deuxième partie, on va devoir mettre un rythme sur chacun des accords, ça va être assez simple. On va devoir faire ce rythme-là. Ba, 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 o. Sur chacun des accords. Et le dernier coup vers le haut, on va essayer de jouer les trois dernières cordes à vide, c'est-à-dire qu'on va enlever ses doigts pour donner une fluidité au rythme. Lentement, ça va nous donner ça. Ba, 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 o, ba. Ba, ba, o, ba. Ba, ba, o, ba. Et on reprend ensuite. Même principe que lorsqu'on plaquait les accords, avec le rythme, au bout de la quatrième fois, on va devoir rester sur ré majeur, on va jouer 2 fois le rythme. Rapidement avec le chant, ça nous donnerait ça avec le rythme. Et ce qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes, sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes. Voilà, finalement donc le morceau, les deux premiers couplets, on va les jouer avec la manière douce, on va jouer chacun des accords de temps, et ensuite le reste du temps, on va devoir le jouer en rythme. Évidemment, vous avez toute la liberté de jouer le morceau en rythme du début jusqu'à la fin, ou bien de le jouer en plaquant les accords, c'est vous qui voyez. Je poste un nouveau tuto tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ciao! Ce qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc